tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh ah, mon tout premier catalogue de luminaires vraiment traditionnel de Thierry Hendrick. Franchement, ça fait plaisir de voir un catalogue de qualité. Bon, on va faire un petit rapide calcul. J'avais des catalogues des années 60, mais il n'y avait rien d'intéressant à part 2-3 trucs comme la galette Orion, pas Orion, là, comment ? Les cloches, vous savez, les cloches traditionnelles, les monoblocs, voilà. Et donc là, on va travailler sur du truc, du lourd, du traditionnel. Ça fait plaisir. On va regarder ça, je pense que ça sera mieux. Parce que celui-là, il vaut vraiment le coup. Hein. Donc du coup, voilà. Ah, il est beau, hein. Il est vraiment bien scanné. J'aime bien leur système qu'ils ont fait de jour et de nuit, comme ça. Ça rend vraiment bien. Donc du coup, voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc la signalisation routière, candélabre et lanterne. Candélabre mâts, nasse égale aluminium et polyester, mâts géants, luminaire pour l'éclairage public, luminaire décoratif, éclairage des halls, terrain et sport, industriel et fluorescent. Alors là, du coup, classification des protections, ok, bon là c'est un petit peu le truc IP machin truc. Alors du coup, la carrelle. Alors la carrelle, pour info, me fait penser un petit peu à la mini coiffeur. Alors vous allez voir, de toute façon, il y a beaucoup de luminaires qui ressemblent à certains luminaires connus. Hein. Vous allez le voir, alors c'est pas du spoil, c'est pas du machin du truc, c'est pas de la copie, c'est simplement... Je sais pas comment je pourrais vous expliquer vraiment. On va voir le catalogue et je vous expliquerai à la fin du truc. Alors là, donc on dirait vraiment un truc. Hein. La Europa me fait penser à la Indalux. Hein. La Indalux, pareil, Europa 2000. Celle-là, c'est pareil. Non, c'est la OVX. La Indal, c'est OVX. Non, c'est pareil, c'est OVX. Là, donc, bon, ça, la Vespera, il n'y en a pas 50 000, hein, la Vespera. Donc, ça fait vraiment penser à une EPA. Hein, une EPA ou une MR. Plutôt une EPA. La CM75, elle existe aussi chez Indalux, en CMR. Voilà, pareil, hein, donc CMR. La Carine, bon, espèce. Pas spécialement, je sais pas pourquoi pas. Donc là, Carine, double foyer. Après, Superlat, ça je ne sais pas. Après, si ça a été copié ou pas. Donc là, bon, ça c'est les versions Natria, les versions Sodium. Hein. Ça change pas. Les Popolopales. Alors là, par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de machins. Voilà. Donc après, il y a les fameuses Polo. Hein. Là, après, nous avons la Caro. Alors, tous ces modèles-là, ça se voit, c'est réflecteur espagnol, italien. Non, espagnol, Indal, c'est espagnol. Voilà, puis on a même une petite Mazda dedans. Là. Donc là, la Samoa, la Sirena, bref, la traditionnelle. La Luxipark. Ah, ça fait plaisir, de qualité, bien sûr. Là, franchement, je vois un petit peu le luminaire des pernets de mon enfance. Ça, c'est la luminaire qui était dans mon collège Terre Rouge. La Luganox. Donc là, les types OR, les campus, bon là, pour l'instant, ça va, on dirait un peu, genre déjà, si vous suivez un peu le truc, ça, on en trouve, de la Indal JB, pour info, pareil, l'Indal JB, mon IJD, je crois, celle-là, ça fait penser plus à une 3334L, hein, plutôt qu'autre chose, voilà, ça, je sais plus, ça pourrait donner quoi comme luminaire, ça, je crois qu'il y en a en une autre version de marque. Voilà, donc la Silox. La outil, on dirait de la Eclatec. Mais aussi, après c'est ça qui est compliqué, la base de la base, la fondation de la base de la base, c'est la Cosmolux, on l'avoue, 64. Hein. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que la outil, c'est à dire une copie d'Eclatec. Mais c'est, voilà, donc Eclatec a copié aussi le modèle Holofane Mazda, donc voilà. La SP me fait penser un petit peu à du projet luxe parce que ils ont fait le même en base dans Moula. Là par contre ça se voit vraiment une lanterne holophane, une CA41 comme ça sur borne, hein. Voilà, c'est un peu top budget cela, mais bon, voilà. Donc nouveau, et c'était dans les années 90, donc voilà, donc. L'Arium, hein, elle me fait pas penser à la lumière, déjà vu ça. On dirait un petit peu la LUC, par exemple. Voilà un peu le truc. Ah, chaîne, là, c'est pas l'astre d'origine. Donc là, voilà, bon, des bons vieux ballasts, bien sûr, de chez ASEC. Non, pas ASEC, je sais plus c'est quoi comme marque. Ah,
Alors là, ça, hé, franchement, me dites pas que vous savez pas ce que c'est. Hein, ça, c'est bien du holophane tout craché. Hein, on le voit très bien. Voilà. Bon, ça, c'est pareil. Hein, c'est vraiment des PC, des machines Philips. Pourquoi j'aime bien le cube comme ça, là. Le cube, il est vraiment beau. J'adore. Mexico, bon, ça, c'est des projecteurs. Projecteur vraiment bizarre. Puis on dirait, c'est la GE qui est dedans. Voilà, donc la Derby, la Real. Ça, par contre, on voit... là, c'est vraiment une pâle copie de la Holofan. PRT2000, que ça, PRT1000. C'est vraiment le truc, voilà. C'est... Voilà, donc après, voilà, donc traditionnel. Des machins Ricoh. Par contre, j'aime bien celle-là, il n'y a aucun réflecteur dedans. Alors là, ça se voit. On a tout de suite le logo Indalux. Donc, on sait très bien que c'est Indalux. Hein. Voilà, donc lumière Indalux. Hein. Ça, c'est Indal aussi. Voilà. Donc, projecteur, je crois que c'est Indal aussi. Là, puis voilà, donc un petit peu, vous voyez. Alors vous allez comprendre, je vais dire, mais pourquoi autant d'abstinence à, justement, d'abstinence à copier les modèles des autres. Alors sachez quand même qu'il y a certains luminaires qui sont avec des droits de propriété industrielle, donc l'INPI. Sauf qu'il y en a certains, non. Hein. Par exemple, la CA41 ou la CA51 ou la CA500, justement, elle, on va dire la tête CA540 ou ça machin, ils ont des propriétés industrielles de chez Holofan. Sauf qu'ils n'ont pas légalement parlé de copier le luminaire. Hein, voilà. Ils ont le brevet Holofan pour le réflecteur. Ils ont le brevet à l'INPI, justement, de la CA500 ou de la 600. Un exemple. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est que ces modèles-là, CA600, ils ne peuvent pas la copier. Donc, du coup, ils ont fait une pâle copie de la BCA 41 ou un truc comme ça. La BCA41, sauf qu'il n'y a rien de chez Holofan. Voilà. Donc c'est vraiment un truc là. C'est à peu près le même modèle, quoi. Voilà un petit peu le truc. Donc du coup, là, ça c'est l'usine. Qui n'existe plus. Qui a été complètement rasée. Il y a une paire d'années. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une poubelle. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu l'histoire d'une société qui a pas fait long feu. Pourquoi je vous ai dit que je vous expliquerai en vidéo. Non, là, du coup, la petite société Thierry Hendrick a été vite fait coulée. Alors, je m'en rappelle plus. Enfin, je regarde. Si vous voulez, je vous ferai une petite histoire de Thierry Hendrick un peu plus approfondie suite à ce catalogue. Pourquoi? Parce que, franchement, quand on voit la société qui a quasiment été arrêtée du jour au lendemain dans les années 90, je pense que celui-là... C'est un des derniers catalogues qu'il y a eu de disponible justement pour Thierry Hendrick. Donc je ne sais pas réellement comment que ça s'est passé pour que ça disparaisse du jour au lendemain, comme si on avait dépopé un item sur le sol dans Minecraft, quoi. Comme ça. Et donc du coup, voilà ce qu'il fait, c'est que c'est une société de Thierry Hendrick. C'est assez spécial parce que c'est un truc qui est dans le nord, hein, donc pas du côté du Borinage, plutôt du côté des Corons. Hein, du côté de Dishkimi, parce que c'est dans le nord, l'Ambersar, c'est dans le 59. Et donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a pas mal de choses à découvrir, mais sur une très courte période, parce que vous pensez que Thierry Hendrick, c'est dans les années 50, début 60, jusqu'à 90. C'est une société qui a disparu, comme BBT, comme certaines marques ont disparu, pas par pur hasard, c'est qu'à mon avis, c'était pas soit rentable ou un comme ça. Je dis rien, je ferme ma tronche, je regarderai ça plus en détail, je vous ferai une vidéo. Je sortirai en même temps le catalogue un petit peu. Et je vous expliquerai aussi pourquoi, qu'il y a eu des rachats, machin. Ben ça, je vous ai vite fait reparler. Par exemple, là, on n'a pas vu, mais il y a aussi la Indal Stella. Ou si t'es rien de que c'est là. On a aussi, ça va me dire, mais ils ont pris pas mal de choses. Ils ont pris du Holofan, ils ont pris de l'Indal, mais ils ont pris aussi une autre marque, Disano. Parce que Disano Champion, on a aussi la Thierry Hendrick Champion. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement plein de modèles différents, de marques différentes qu'on trouvait chez Thierry Hendrick, parce que la plupart de leurs modèles, c'est pas eux qui les ont conçus. Donc, je ne sais pas réellement qui est-ce qui les a conçus. Bon, après, il faut quand même concevoir qu'il y a des lanternes qui ont été conçues chez eux quand même, faut pas croire. Hein. Mais voilà. Donc, du coup, cette fois-ci, on va se laisser là-dessus, parce que sinon, ça va prendre une vidéo d'une heure. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. Thierry Hendrick, c'est justement Thierry Henry. Pas le joueur de foot, hein, bien sûr. Hein, c'est pas faux.